Je préfère vraiment de travailler dans le domaine des bâtiments. Et donc, j'ai eu besoin d'avoir une spécialisation, quelque chose qui me donne la chance de travailler pour quelqu'un. Parce que j'aime bien tout ce qui est manuel, travail manuel. Et comme j'étais au chômage, j'ai eu une occasion d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Et cette formation est venue dans un bon moment parce que ça fait 12 ans ou 3 ans arrière que je voulais faire un DAP dans les domaines de sécurité sanitaire. Donc là, quand l'ADEME m'a proposé, j'étais déjà dans le métier comme intérim et l'ADEME elle m'a téléphoné comme j'ai vu une opportunité pour pouvoir apprendre la théorie du métier. Je me suis dit que c'était une bonne chose à faire. Personnellement, c'était parce que j'avais pas un diplôme déjà pour moi. Et là, avec cette formation, maintenant, avec mon certificat, au moins, je sais que j'ai pu prouver que je suis capable. En parlant à l'ADEME, j'étais volontaire dans les premiers moments. Elle était bien faite, elle était bien. Beaucoup de mes collègues qui ne savaient rien et maintenant, à la fin, ils ont déjà quelque chose. Deux mois et quelques semaines qu'on a eu, il m'a semblé vraiment beaucoup, mais quand on a commencé à apprendre, on a compris combien de choses on doit savoir. Et maintenant, par exemple, je voudrais savoir travailler un peu avec des boilers, des chauffages, peut-être savoir souder. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'on doit aussi connaître. Donc, si vous pouvez agrandir ces cours comme durée, comme contenu, sera encore mieux. Pour moi, c'était vraiment bien parce que dans 3 mois, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je dis que j'ai pu faire quelque chose tout seul. Bien, j'ai appris beaucoup. Donc, j'ai beaucoup appris et je suis fier d'être ici. La qualité est magnifique. Il y a l'humain des formateurs parce que ça ne s'arrête pas seulement. Ils ne font pas les gens comme ça donner des matières. Il y a l'humain déjà. Et c'est des excellentes personnes. Ça m'a apporté beaucoup. Ouf! Beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup. On m'a appris un autre métier. Je suis à la base mécanicien, alors j'ai appris autre chose. Peut-être les outils sont ressemblants, mais une autre manière de travailler. Comment ça travaille dans un chantier et tout. Les connaissances, on a monté beaucoup de types de tuyaux. On a fait aussi un petit cours d'électricité pour comprendre comment réagir à certaines situations. Pour moi, ce qui était aussi très important, la confiance que je peux faire même à 40 ans, tout ce que c'est nécessaire, je peux apprendre. Beaucoup. Pas que sur les domaines de chauffage sanitaire, mais il m'a appris quelque chose dans la vie aussi. J'ai déjà fait beaucoup dans la vie, mais pas beaucoup pour réussir dans la vie. Cette formation m'a aidé à trouver un chemin pour ça. Ça m'a apporté pour la théorie, comme j'ai dit que je connaissais rien. Ça m'a apporté que des choses positives. Je ne fais que parler de ça. J'ai pensé au début que je n'allais pas suivre les rythmes, mais eux, ils m'ont mis tout de suite à l'aise avec eux. Ils étaient là avec nous. Tout. J'en ai apprécié tout. Il y a eu une bonne harmonie dans le groupe. On a bien appris tant que la théorie et en pratique, on a bien appris aussi. J'ai apprécié un peu tout. On a fait la part théorique. Tellement vraiment importante aussi. Je pars avec beaucoup plus confiance et connaissance de ce que j'ai eu au début des cours. Le personnel. Franchement, le personnel, très gentil, très sympa. Les travaux aussi, j'ai bien aimé la fonte, quelque chose qui est un peu spécial. J'ai bien aimé d'autres outils que je n'avais jamais vus, par exemple le coupe-fonte, je n'avais jamais vu. Pour moi, la formation, c'était bien. Parce que quand on rentre, on ne sait rien. Et à la fin, on dit qu'on a quelque chose dans la tête. Quand j'avais besoin de eux, parce qu'il y a Marc, qui le sait très bien, que j'ai eu besoin de lui plusieurs fois. Il était tout le temps là pour moi. Il m'a dit tranquille, relax. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, j'ai confiance en toi. Il ne faut pas douter, il ne faut pas avoir peur de faire une formation. Pas seulement penser à oui, on fait les formations pour meilleur poste et tout ça, mais il faut faire la formation pour grandir. Oui, pour grandir, surtout pour grandir. Dans la vie. Et ça m'a appris que je suis capable, qu'il n'y a pas de frontières pour avancer. Quoi. Si on veut, il faut foncer.